Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. They can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other, but the night was warm. We were bold and young. All around, the wind blows. We were.
calmer, s'il vous plaît, là. Ça suffit. Mais Jude ou Dead? Mais je sais pas. Putain, vous me faites tout chier, là, monsieur. Bon, allez, ça suffit, là. Marie, qu'est-ce qu'il y a? On dit The Walking Dead ou The Walking Dead? C'est quoi cette question? Walking Dead? Notre classe est composée d'élèves modèles. Ils sont érudits, répondent de manière pertinente. Oui, Marie. Lorsque Flaubert écrit Madame de Bovary, ces deux, de manière métaphorique, nous signifie que son héroïne reflète sa personnalité intérieure, intrinsèquement parlant, bien évidemment. Notre comportement fait notre fierté. Parce que l'existentialisme est un humanisme, monsieur. Oui, Julia. C'est du conditionnel présent, monsieur. Je pense que la bonne réponse est Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. J'aime vous voir attentif comme ça. C'est bon, ça fait plaisir. Et surtout, nous savons nous gérer en autonomie. Je t'absente quelques minutes, je vais chercher vos devoirs. Je vous fais confiance. À dans 3 minutes. Bon, on n'est peut-être pas toujours comme ça. Et parfois, il se peut qu'on dérape. Et parfois, lorsque notre professeur a le dos tourné, il se passe certaines choses. J'ai bien l'impression qu'il est dur de la feuille. Bref, nous ne sommes pas des élèves modèles. Mais nous ne sommes pas non plus des démons. Bref, nous sommes des élèves normaux. Oui, Ophélie. Pas moi, s'il vous plaît. Oui, vous l'avez bien mérité quand même.